Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau Lost in HOTS, un HOTS un petit peu particulier puisqu'on va jouer à un mode de Wings of Liberty qui est le fameux Left to Die que Plax ne connaît pas. Comment ça va mon cher Plax? Bah écoute, ça va, mais c'est marrant quand tu dis le fameux parce que j'en ai jamais entendu parler. Mais bah arrête, c'était super connu, mais toi tu connais rien. Non, non, moi je connais juste mais le t'as jeu un de jeu foot. De console, voilà, ouais, va jouer à FIFA. Et avant de lancer la game, on aimerait vous rappeler qu'on a un Facebook qui a été lancé il y a quelques temps. Alors n'hésitez pas à aller dessus, on met toutes nos VOD, on met des conneries, on met plein de choses, des trucs. Et regardez, par exemple, il y a Pompe qui nous fait un doigt, enfin, il y a plein de trucs super. Et donc n'hésitez pas à y aller, c'est sur Facebook, bien évidemment. Et c'est facebook.com, Care et Plax, donc sur Internet, n'hésitez pas à aller le voir. Vous pouvez like aussi depuis votre téléphone, depuis votre iPad. Si vous avez craqué votre calculette et que vous êtes au collège ou au lycée, vous pouvez aussi le like depuis votre calculette. Enfin bref, depuis votre grave sang. N'hésitez pas à y aller. Quand on est avec beaucoup beaucoup de likes, et ben, Facebook et Blizzard et Wargaming nous ont promis un voyage aux Bahamas. Et moi, en tout cas, Aker, c'est cool de moi, j'ai vachement envie d'aller en Belgique, donc du coup, voilà. De quoi? Tu préviens les gens que c'est sur internet, c'est bien parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui avaient déjà sorti leur Minitel là et qui étaient en train de chercher, qui devaient pas le trouver, ils devaient se dire merde, qu'est-ce que c'est? Donc ouais. C'est bien, tu fais bien. Ça, je fais bien les choses, t'as vu, mais ça c'est l'esprit professionnalisme. Ouais, je vois que ça. Tu ne connais pas toi qui es géologue. Non, je ne connais pas. Géologue. Je ne connais pas. Bon, alors allez, on lance la game, c'est parti. Donc je vais expliquer un peu ce que c'est le Left to Die. C'était une mission de Wings of Liberty qui a été adaptée en mode arcade par Blizzard lors d'un patch où ils ont sorti trois modes arcade, dont un où on faisait la cuisine avec les îlots, c'était assez rigolo. Il y avait un Cooking Mama finalement. Ouais, puis il y avait un autre que j'aimais pas du tout, donc j'ai oublié le nom et je m'en fous complètement. Et le Left to Die, en fait, on a une base centrale avec donc deux Terran et on est attaqué la nuit par des Zergs pas très gentils et il faut réussir à se défendre. Alors il y a un mode où on est attaqué en continu, donc ça on va pas le faire. Et il y a un mode aussi où on est en... On va le faire en difficile pour commencer. Allez, d'accord. Difficile, vas-y, ok. Et il y a un mode aussi où il y a des jours, et pendant le jour, on est tranquille, on peut se refaire, on peut se préparer. Enfin, voilà. Et donc, c'est parti. Donc, voilà. Ou Ariel Hanson qui nous présente un petit peu le mode. Qu'elle est charmante, cette Ariel Hanson. Alors, je sais pas si dans la campagne de Wings of Liberty, vous l'avez sauvée ou pas. Moi, bien évidemment, je l'ai sauvée parce qu'elle est jolie. Faire, c'est de tout brûler. Donc en fait il faut détruire les bâtiments. C'est quoi ce gros truc zerg au milieu dégueulasse là? Je sais pas, j'ai pas envie de le connaître, il a pas l'air sympathique. Je te propose de faire échappe et pour pouvoir lancer la game. Donc là on va se protéger, on est en difficile donc ça risque d'être difficile. Et donc on va tout de suite faire ce qu'il faut. Donc, moi généralement je fais un petit bunker ici. Hop. Bon les gars, on peut pas risquer la contagion. Alors, tu as vu, il y a aussi des cailloux sur le côté. De sécurité et des et au début, ils vont rien en faire, là, les cailloux. Mais après, ils vont venir les casser. Hein. Donc, ok, bon, pour l'instant, on s'en fout, on peut aller à côté. Ouais. Alors, ok, moi, je mets des bunkers, hein, comme ça. Ouais, mets des bunkers. Et pourquoi on n'a pas de tank, là, dans l'usine? Il faut récupérer la biomasse. Et une fois que tu as récupéré la biomasse, tu peux acheter des unités qui sont très pratiques pour essayer de survivre davantage. Donc là par exemple tu vois j'ai fait moi j'ai rajouté un bunker hein, au niveau de mon chemin. Ah tu l'as mis là-haut, joli. Ouais. C'est intelligent. Et après faudra mettre des tanks je pense. Bon, n'oublie pas de faire des VCS parce qu'on n'a pas des masses de VCS. Ouais t'inquiète. Ok, je commence à m'organiser un peu là, ça va bien se passer. Donc là tu vois il fait nuit dans 30 secondes, donc on a 30 secondes encore pour se préparer et après on est attaqué. Il y a 191 ennemis qui arrivent, ok, cool. Comment tu le vois? Est-ce que c'est marqué détruire tous les bâtiments ennemis, 191 Ah non, ça c'est d'instant. Les bâtiments, ça c'est pour finir la mission en fait. Donc tu vas les détruire de jour, hein. Tu vas pas les détruire de nuit sinon t'es un peu... Ah il faut qu'on se barre? Bah après, le jour oui. On a des missions, ok. Ouais le jour il faut que t'ailles détruire. Maintenant il faut tenir jusqu'à l'aube. Préparez-vous. Mais là, moi je propose de juste se défendre. En fait. Ouais, je suis déjà en arrive à se défendre assez longtemps. Les vagues sont de plus en plus grosses, je suppose. Ah oui, après il y a des mobs. Il y a un truc qui s'appelle Crank, je crois. Crank. C'est un gros monstre. Il est funky, tu vas voir. Ok. Pitié, tuez-moi. Oh, c'est quoi? C'est horrible ce truc. Quoi donc? Tu l'as vu le marine infesté qui arrive qui te dit tuez-moi? Ouais.
Alors là pour l'instant je te propose de garder ta thune et ton Vespens. Là ça devrait tenir sur la première vague. Ok. Oh là y'a déjà des trucs chelous qui arrivent là qui volent à moitié. Ah oui y'a des gros trucs là déjà. Merde. T'as ce qu'il faut pour te défendre c'est bon? Ah ouais ça va aller. Bah là avec les 3 bunkers ça va aller je pense. Ah, t'as 3 bunkers? Ouais. Donc là en fait la biomasse, on en est où en biomasse? Fais des tanks à mon avis dès que tu peux. Récupère le tank. Mais oui mais pour faire le tank il faut avoir de la biomasse. Et pour l'instant on n'en a pas. Où est notre biomasse? Biomasse 38-38 mec. En haut à droite. Regarde, il y a marqué joueur, care, plax, biomasse. Oui. Ça coûte combien de débloquer le tank? Ça coûte bonbon mais c'est un des premiers 150. À faire. Faudra pas hésiter aussi à faire des tourelles aériennes. Ah oui, ok d'accord. Ah, oui. Très important. Il tire pas mon bunker qui est là-haut, il sert à rien. J'ai un bunker qui sert à rien. Si, tiens, regarde. Ouais. Ah oui, tiens, t'as mis deux bunkers en bas. Ouais. Ouais, je sais pas si c'était intelligent ou pas, mais. Oh, c'est quoi ce truc horrible? Je vais le faire réparer mon truc là, je suis prêt. Non. Oh non, il a pété, putain. Ah, il faut pas que je perde mon bunker, je vais perdre mon bunker, ah, c'est la catastrophe, j'ai perdu mon bunker. Ah, saloperie. Bon, c'est le jour grave. Va se lever. Le jour va se lever dans 28 secondes, il faut tenir. C'est bon, là c'est easy là, ça va, ça passe large. Là. Ouais. Moi j'en ai perdu un de bunker aussi. Ce qui est cool, c'est qu'on est déjà à 200 de pop, ça c'est pas mal. Oh putain. Bah on n'a pas besoin de... Oh merde, je suis attaqué là chez moi là. Voilà, là c'est bon, le jour là je crois, bah, c'est assez... il fait jour. Donc là maintenant, il va falloir gérer correctement, on a combien de biomasse. On peut s'acheter Medivac, Medic pour l'instant, moi ça m'intéresse pas. Je propose ah bon de garder... Non, il faut garder pour les tanks. Donc je te propose... Rien, on fait rien. Si, on va faire des Marines. Et... Je peux pas le faire réacteur. Il faut surtout beaucoup de VCS, en fait, c'est mon problème là pour l'instant, je fais pas de VCS et ça craint. Ah j'en ai plein moi, je peux t'en prêter si tu veux. Des VCS ouais. Oh merde, il avait tué mon... Oh le boulet, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Rien. T'occupe, ne stresse pas, tout va aller. Donc là tu en fait, que moi je ce que je fais passe, c'est des planétary forteresses pour bloquer l'accès. Ah ouais carrément. Ah ouais, tu bloques l'accès avec ça et c'est plutôt pas mal. Bon, le Planetary Fortress, on peut déjà les débloquer? Bah enfin, ouais, tu peux la débloquer. Ouais. Tu pourras même, et c'est très conseillé, bah, de toute façon tu peux pas faire autre chose. Hein. Mais il faudra en mettre une sur ton bâtiment principal. Ta mine principale, ton command center principal, parce que du coup, tu verras à un moment ils vont sauter au-dessus là et ils vont attaquer ta mine de minerai. Et ça craint. Merde, c'est cool. En fait, je prenais pas de gaz depuis tout à l'heure, en fait. Et ça, c'est pas là, bon. Là, je suis complètement fermé, là, en fait. C'est une petite erreur de ma part. Ah bon, on passera par ailleurs. Ah, t'as une défense de ouf, là. Je sais pas trop. Donc là, pour l'instant, on se défend. Hein. On fera de l'attaque... plus tard. T'inquiète. Là l'idée c'est d'être bien défendu. J'ai trop de ressources là. Crépuscule dans 30 secondes. T'as combien de bunkers? J'en ai 2 pour l'instant. Je pense que je peux pas sortir avec. T'es coincé chez toi? Si, non, c'est bon, c'est ouvert. Oh, bah, c'est parfait. Voilà, donc là, la nuit arrive. La nuit tombe. Vous devriez poster des gardes. Ils ne vont pas tarder à revenir. Ok, bon, je vais mettre deux VCS par là au cas où il faille réparer.
Moi là je pense que ça devrait tenir, du coup je vais commencer à mettre de l'argent de côté. J'ai déjà plein d'argent de côté, putain. Oula, c'est plus violent là. Des marines contaminés? Sans déconner, Jimmy, j'aime vraiment pas cette idée. Attends, je commence à avoir un paquet de marines là. Alors, est-ce qu'on a les tanks encore? On n'a pas encore les tanks. Ils sont quoi tes marines? Ils sont évolués? Ah ouais, là pour l'instant, je suis en train de chercher le 2 d'attaque. Donc là, j'ai le 1 d'attaque. Moi. Bon, est-ce que c'est mieux de faire le 1 de défense ou le 2 d'attaque? On s'en fout pour l'instant. Ok. Ah ouais, il y a une petite masse qui arrive là, ils arrivent un peu violemment. Hein. Alors, est-ce que toi ça se passe bien? Ouais, mais alors toi. Ah, ça va, ouais. Ouais. Toi, t'as fait l'option bunker. Ouais. On verra ce qui est le plus viable. Hein. Oh, c'est quoi ce truc? Ah ouais, putain, je devrais avoir un... Ah oui, il y a un gros machin là. Oh là là, j'ai perdu... Oh là 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 là... Qu'est-ce qu'ils font là? Mais pourquoi ils pètent un câble, mon truc, là? De quoi? Je comprends pas. Les unités, elles pètent des câbles à moitié, elles font des trucs chelous. Oh, c'est pas vrai. C'est pas gentil ça. Oh là, j'ai rien pour les taper là en l'air là. Ah là là, j'ai rien pour taper. Tiens, c'est où? Viens m'aider. Il y a un gros truc, un spotter là qui. J'arrive pas à le tuer, j'ai pas de truc en l'air là. Mais pas les taper. Putain, mais ils sont arrivés par derrière nous. Oh la vache. Ah, ils ont cassé le mur. Ah. Bah, j'ai mis la planète Air Fortress du mauvais côté, tu vois, j'ai pas eu de chance. C'est bon, ça, t'as réussi à défendre? Ouais. Quoique. Oui, c'est bon. On va les protéger, ça, on va les réparer. Hop, tout de suite. Ça, pour les spotters. On va en refaire une. Là. Ah, ils sont dans ma ligne de minerai! Oh putain, c'était un peu plus tendu là. En fait, ils ont déjà pété les rochers quoi, il faut commencer à mettre des trucs ici. Ah bah, je m'occupe là de faire une planétaire forteresse. Non, mets pas de bunker. Ah bon? Laisse les planétaires forteresses et puis derrière on couvrira avec des tanks et. À mettre des tourelles quand même. Oui, les tourelles faut en mettre. Là, tu vois, je vais en mettre 3, comme ça le spotter qui va passer, bah il va se faire. Il va se faire refaire les fesses. Ok, et on pourrait avoir des tanks là ou pas? Alors les tanks, non, pas encore. Donc on va devoir faire une deuxième. Oh merde, j'ai bloqué un VCS. Et bon, tant pis. Les ressources activées, ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est chelou. Ah mais la biomasse, en plus, tu la récupères en allant, t'as tué des bâtiments extérieurs, quoi. Ah, on va peut-être plus enlève faire ça, enlève ta tourelle. La tourelle, elle gêne. C'est celle que t'as à construire, là. Annule-la. Les marines et je vais faire des tourelles ici et ici comme ça. Oh, t'avais zéro marines depuis tout à l'heure? Non mais là je mettais un peu de thunes de côté, tu vois. T'as combien là de côté? J'ai 500 et des boîtes. Ah, moi j'ai déjà 1000 quoi. Ah, t'as fait plein de planetary fortress aussi. Y'a pas de. Tu veux pas qu'on mette un bunker devant là? Non, ça sert à rien, les planetary fortress c'est plus fort. Par contre, faudra les défendre. Hein. Faudra des VCS. Hein. Attention, ils sont en auto-repair, je crois. Comment on fait pour mettre auto-repair? Ah, tu cliques droit sur réparer. Oula, ça revient. Merde, j'oublie de...
Putain, je commence à avoir Mass Marine là. Ce serait pas mal d'avoir des Medivac en fait. Oh, ça y est, putain. Ces saletés vont sortir du bois d'une minute à l'autre. Il est bloqué, mon VCS. On serait mieux de retourner à la base. Donc là, pour l'instant, on ne fait que défendre, on n'a pas du tout attaqué. Peut-être qu'on pourrait attaquer là, non ? Peut-être, mais on verra ça plus tard. Alors, ce qui donne la biomasse, c'est les gros machins qui nous attaquent. C'est quoi ça ? C'est pas optimum là mon truc avec mes bunkers. Là. Pas mal, les Planetary Fortress, elles font le taf. Hein. Ah bah oui. Hein. Il y a un Torkling dans les parages. Ouais, il y a les Crab Boomers qui arrivent, donc ça va donner pas mal de biomasse. Les Crab Boomers ? Ouais. Oulala, oh là, il y a une masse qui arrive là. Oh, putain. Et pour l'instant, ils ont pas cassé les cailloux en dessous. Ils essayent, mais pour l'instant. Oh, ça vache, les marines ils font le taf. Hein. Avec la biomasse. On a non, plus. on a augmenté, mais ça coûte trop cher les tanks, c'est tout. Ah, c'est chacun qui peut acheter un truc, ok. Bah, je pense, ah, j'ai l'impression, ouais. Ah. Bon, alors, on va essayer d'acheter des trucs, quand même. Des medics, c'est peut-être pas mal, ça, non? Tu veux t'acheter des medics, toi? Tu utilises beaucoup de marines. Vas-y. Moi j'attends les tanks. Ah mais ça en livre quelques-uns et on peut pas les construire nous-mêmes. Si si, tu peux les construire toi. Peut-être ouais. Attendre qu'il fasse jour. Ah ouais, il faut que je pose ça. Okay. N'oubliez pas que vous devez être de retour avant la nuit. Vas-y, on attaque ou quoi? Non, moi j'attaque pas. J'attends vraiment... Quoique tu peux, si, vas-y, va détruire des bâtiments. Sérieusement, on okay. Voit que ça t'éclate. Allez. De mettre des coups de pied dans la fourmilière. C'est un excellent choix, monsieur. Ils sont où les miens? Ah, ils sont là. Là. Ah oui, ça va aller beaucoup plus vite en biomasse, forcément. Et comment on voit le temps qui reste avant la nuit que j'aille pas trop. Ah oui, c'est là-bas, ok. En fait, on peut le finir ce mode, il y a une fin finalement. Bah bien évidemment qu'il y a une fin. Je pensais que c'était genre des vagues infinies jusqu'à ce que tu meurs quoi. Non. Bah c'est le Night to Die ça. Très bien, le secteur est sécurisé. Beau boulot les gars, maintenant en route vers la zone suivante. Ok, attends, j'ai détruit pas mal de bâtiments là. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, la prochaine fois, on fera une Night to Die, justement. C'est rare. Ça pourrait être pas mal aussi, ouais. Ouais.
Ok. Oh la vache, la masse marine que j'ai, mon gars. T'as deux medics qui sont là, mec, hein, qui traînent chez toi. Ouais, je sais. Recherche bunker en omni-acier. C'est quoi ce truc? Bah, toi qui fais les bunkers, c'est pas mal. Moi qui n'en fais pas, c'est pas ta vie. Par contre, là, je vais être emmerdé parce que. J'ai pas fini ma planétaire et forteresse. Moi, je vais attendre le tank. On se tient là, hein. Ça a l'air là. De premier à 150 t'es tank, hein. Ah ouais, t'inquiète. Oh, c'est quoi ça? C'est ça le tank. C'est ça, c'est un truc horrible ça. Il arrive chez toi? J'ai peur. Ah ouais, attends, il y a une espèce de gros logo chez toi là. Ouais, j'ai bien vu aussi. Ça devrait aller là, j'ai 3 planétaires et forteresses. Ça, tu vois, c'est un immense ultralisque. Oh là là là, il va. Oh non, mais il va complètement ravager. Faut que j'aurai même pas le temps de réparer. Non, 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 reste chez toi. Reste chez toi, tu vas tout perdre, Mais non, que dalle. Mais si. Concentrez vos tirs sur le stank. Faut réparer ma planète inférieure, tu la gênes, pour la réparation. Mais attends, non, détruis je ça. Je vais perdre la deuxième. C'est bon, allez. Oh, j'ai perdu la. Mais j'ai tout perdu. Mais t'inquiète, on est large là, regarde tout ce que j'ai comme unité. J'entends un craboumeur pas loin. Mec, j'ai perdu deux planètes à la fin, c'était une mauvaise idée d'en mettre une en avant comme ça. Et allez, on va faire réparer. Il y a un autre stand qui arrive, et il arrive chez toi là. Oh, il est par en bas, merde. Oh, ils sont en train d'éclater ma base, putain. Je perds ma base du haut. J'ai perdu ma planète à la forteresse, j'ai plus rien. Les mecs dans nos lignes de minerais, ils sont tous là. C'est bon, ils sont morts. Okay. Attends, mais il y a un stand, mec. Hein. Trouver quelques zones contaminées à nettoyer. Mais il est mort, non? Ok, non, mais il y en avait un autre, il était là, il était dans ma base. Ok, donc là, ça va, là, on n'a pas beaucoup de temps. Faut m'aider. Oh, j'ai perdu tous mes VCS, putain. Ça, je suis deg. J'ai perdu mon sang technique, quand même. Je déconne. Ah, moi aussi, mais... Ah, mais on a perdu en bas. Non, non, enlève tes tanks. Enlève les bunkers en bas, ça sert à rien. Mais si, t'es ouf. Mais non, mais... Mais si, tu les remplis de marine, mec, c'est carrément plus stylé. LOL, j'ai perdu ma... j'ai perdu ma base. J'ai perdu ma base. Ah, carrément. Ok. Ah oui, donc là, on est bien, là. On est pas mal, ouais. Je pense qu'on est pas mal. Et on a même pas les tanks. Donc moi, j'ai quelques tourmenteurs, mais... Moi je peux les avoir les tanks là. Va faire un peu de biomasse. Comme ça moi je fais des tanks. C'est bon, je peux les avoir les tanks. Tu peux les acheter ou pas à ma place? Non non, c'est toi, vas-y, clique dessus. Je pense que ça nous aidera vraiment. C'est bon. Je pense que ça nous aidera vraiment aussi. Ouais. On dirait que ce secteur est nettoyé, Jim.
Vous feriez mieux de passer au Je te laisse faire des tanks, moi j'ai pas le temps, je suis en train de faire du... Ouais, si tu nettoies, vas-y. Ah, genre, il y a des mutas et tout dans leur base. Mais comment ça se fait que j'ai perdu ma base principale, moi? J'ai pas fait attention. J'ai rien compris. Là. Oh là là, tout est bloqué. Oh merde, ils arrivent dans 5 minutes, dans 10 secondes, et je suis encore... Rentre chez toi. Ah, je peux pas passer à cause du centre technique, putain. Ouvrez l'œil, il va y en avoir d'autres par là. Ah, j'ai oublié de l'améliorer, y'a pas de Marines dans le bas, y'a pas de Marines. J'y vais. Ça devient tard avec ça. Hein. Je sais pas si on va survivre une nuit de plus, mec. Hein. Oh y'a plus de tourelle. Y'a plus de tourelle en bas. Où? Près de ta planétary fortress, là où y'a des tanks. Ici, je suis en train de réparer. Ah, y'a des vers de Nidus. Oh putain, il faut à tout prix le détruire là, sinon on va être submergé. Faut que tu prennes tes marines, c'est que t'arrives à aller. Il est où? Bah il est là, regarde. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'était humain? Oh mec, tout ce qu'il y a, laisse tomber quoi. Et on va y arriver. Moi. Mais tes bunkers, ils sont trop fragiles, hein. Tu les as améliorés ou pas? Non, mec, j'ai acheté des tanks à la place. Oh, mais j'ai pas amélioré. Ah, mais j'ai plus de centre technique, je suis con, putain. J'ai détruit mon centre technique. Hein. Quoi, ils sont où? Oh la vache, ils arrivent par l'autre côté. Oh la vache, les bâtards. Voilà, j'ai amélioré les bunkers déjà. Ok. Ah mais ils arrivent par l'autre côté quoi. Cool. Ils arrivent carrément au-dessus de la base quoi. Non commandant, il faudrait vous occuper de ce ver de Nidus. Ah ils sont stylés nos bunkers ça. Faut qu'on aille tuer le truc de Nidus en fait. Okay. Ouais. Sinon ils arrêtent pas d'arriver, c'est ça? Ouais, c'est ça, et en plus c'est pas des unités classiques, c'est plus gros. Je peux même pas passer là, c'est impossible, il y a trop de unités. Fais le bourrin. Il reste 5 secondes, ouais, on va tenir. Ouais. Ah mais en fait c'est les spotters qui détruisent tous mes VCS quoi. On a bien dû en buter des milliers la nuit dernière. Bon, restez tant que ça, hein. Allez, vas-y, va faire le ménage. Oh, le mec, il m'envoie, quoi. Bah, j'ai plus rien. J'ai plus d'unité, moi, non plus. Ah, en fait, c'est les spotters, j'ai réussi. T'as du minerai à me donner? Ouais. Vas-y, balance. On peut? Ouais, je pense. Il reste 141 bâtiments, putain, mais c'est ultra chaud, mon gars. T'as réussi à me donner de la thune ou pas, là? Non, j'ai pas essayé, je sais pas comment on fait. Bah, comme d'habitude, tu vas en haut à droite, et puis tu fais dans une partie, quoi. Ok. Tu veux combien? Bah, autant que tu peux. Voilà.
qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus de... ta ligne de minerai. Hein. Bah quand il n'y a plus de bâtiment en étoile, on a gagné. Hein. Non mais quand on a plus de minerai, nous. Ouais, on l'a dans le cul, je crois. Faut qu'on installe une base ailleurs. Ouais, il y a des bases ailleurs. Hein. Mais pareil, faut la protéger, je pense. Tu vois, j'ai plus d'unité de... Plus de ressources, mec. Hein. Plus de minerai, c'est la loose. Crépuscule dans 30 secondes. Je sais pas si on va tenir une vague de plus, mec. Hein. Honnêtement, ça. Je sais pas, y a pas de Marines dans. En bas là, regarde, il y a pas de Marines dans ton bunker. Ouais, j'ai vu, visiblement. Ouvrez l'œil, il va y en avoir d'autres par là. Oh, il y a un crank en plus. Un stank. Crank, c'est un joueur coréen. Oh, il arrive chez moi, putain. Oh la vache. Oh, il a pété le bunker en deux secondes, l'enculé. Oh, il fait voler les unités et tout. C'est bon, tu. On va tout de suite mettre en temps en bas. Oh, ils arrivent de partout, la vache. Y'a un bunker en bas où y'a rien. Non. Ah, ils attaquent les bâtiments que t'essaies de construire en dehors. Il faudrait qu'on fasse une baie quelque part, hein, parce que... Bah ouais, mais comment tu veux, on a pas d'armée. Si, moi j'ai une armée, mais bon, elle commence à diminuer drastiquement, quoi. Oh, il y a encore un stank, il arrive chez toi. Tu vas le défendre ou pas, le stank, là? J'ai pas mal de temps, donc ça va aller. Oh là, il y a une forteresse planétaire qui tombe. Oh. En haut. Oh, il doit péter mon tank. Ils vont péter un tank, les salauds. Oh, j'ai déverrouillé des succès. Ouais. Ouais. Oh, ils amènent les unités, ils les bouffent. C'est quoi ce truc de ouf? Oh oui. Et je peux te dire qu'on va en profiter. C'est bon, il fait jour là? Ouais, il fait jour. Ok, mec, je te laisse défendre, mettre des tanks et tout. Moi, je me casse, je vais. Va détruire les bâtiments et moi, pour l'instant, au niveau de la défense, on est bon. Ce que je vais faire, moi, c'est essayer de protéger une B2. Je peux mettre un tank là pour que je mette des unités dedans. Il faut mettre une autre base parce que là je. J'en ai posé une là, je vais essayer de la finir avant la fin du. Il reste combien de temps? 2 minutes 30. Oh la vache, ils ont des bases avec des bunkers et tout. Y'a des chocs et tout quoi.
Et on les rend pas plus faibles en tuant leur bâtiment? Je suis pas sûr. Il est stylé ce mode, franchement, je trouve. Ah, il est classe, hein. Ouais. Ah oui, c'est une bonne idée, les amis, que nous avons eu là, de vous montrer ça, même si vous connaissez déjà très probablement le délire. Par contre, il y a un trou assez énorme. Quoi? Ben, au niveau de la... En haut, il y a une planète forteresse qui est tombée, il faudra la défendre. Bon, ben, avec le temps qu'il s'y dit, voilà. Oh, ils ont des aiguilles en rampant et tout, quoi. Allez, je back. Allez, ça devrait tenir. T'es sûr? Non. Oh, j'ai plus de ressources. Ah, là, il faut que ma planète arrive fantastienne. Et là, le problème, c'est que j'ai pas de faire un bâtiment. Moi, je vais essayer de garder en vie ma base, ma B2. Ils ne vont pas tarder à revenir. Ce qui, à mon avis, va être très compliqué. Très, très compliqué. Oh, ça va être tant d'axes. Oh non, il y a un stank encore et j'ai pas assez d'eau sur ça pour tenir. Mais si, t'as plein de tanks, mec. T'as plein de tanks qui lui tirent dessus. Mais il va où? Le mec, il va pas... Le stank, si. Il arrive par chez toi, en bas. Non, il va pas par en bas, là. Il va ailleurs. Où est-ce qu'il va? Oh, j'espère qu'il va pas sur ma B2. Il a l'air d'aller sur ma B2, hein. Tu crois? Faut que tu viennes m'aider, il vient sur ma B2. Et viens sur ma B2, le mec, hein. T'es pas obligé de parler comme une racaille. Non, mais viens sur ma B2, viens m'aider. Oh putain, il vient sur ma B2. Mais attends, mais c'est bon, j'arrive, justement. Viens m'aider, je vais perdre dedans. Oui, mais t'es obligé de faire un jeton. Oh non, mais là, c'est le seul truc qu'il fallait pas, c'est qu'il y a un tank là-dessus, quoi. Ils ont détruit tous mes tanks et tout. Oh, mais je rêve, quoi. Fonce, avec, prends ton armée. Mais oui, j'essaye, mec. Oh putain. Une fesse de Marines. t'as plus d'unité, t'as plus rien du tout. Bah, c'était ma B2, quoi. Et t'as des ressources pour en faire une ou pas? Bah, je vais les mettre de côté, mais... Il y a un verre de Nidus en fait. Oh la vache, il est là, je le tue. Oh, putain, bon, magnifique, t'as de la chance. Ah non, c'est pas ça qui va être, c'est ça. Oh putain, ça attaque par en bas à fond là, non? Ça a l'air de tenir. Ça attaque par en haut, pas taille forteresse, on a pas fait attention, elle est tombée. Il y a un tank qui tombe. Moi je garde mes ressources pour... Je vais tout de suite aller essayer de... Il fait genre c'est bon, allez go. De prendre une revanche. J'ai plus assez de visiter pour aller les faire chier, mais bon. On va continuer de raser, toi. Moi, j'essaie de sécuriser une B2. Ok. Ah ouais, mais j'ai perdu tous les tanks. Et sans les tanks, là, ça va être compliqué. Sinon, je laisse mes unités près de la B2, quoi. Avec la biomasse, on peut pas acheter des trucs que débloquer des unités, on peut pas acheter des trucs cool pour nous. Si. Mec, j'ai 275 de biomasse, hein. Achète, hein. J'achète quoi? Bah, ce que tu veux, mais t'achètes.
Moi j'ai acheté les flammeurs. J'espérais que vous choisiriez ça. Je pense que ça nous aidera vraiment. Les flammeurs, c'est pas mal, hein. Faut que je les prenne avec moi, les trucs là. Faut que je les fasse rentrer dans mon unité. Ça doit être faisable, ça doit être faisable. Ouah, c'est chaud. Eh hey mec, en haut, il n'y a plus rien, il y a un trou de ouf. Il faut aller le protéger tout de suite. Hein. Où ça? En haut, regarde. Je vais mettre mon usine pour protéger les bâtiments qu'on utilise pas. Si t'as des bâtiments que tu n'utilises pas, prends-les pour protéger. Attention. Moi, j'utilise tout. Vas-y, c'est bon, tu peux le poser. Oh là, j'ai pas une masse critique, hein, franchement. Ouvrez l'œil, il va y en avoir d'autres par là. Ça va être temps d'axe de défendre, à mon avis, là. Pas forcément. T'as un tank qui est pas en bas de siège, là. Là-haut, près de chez moi. Ah ouais. Oh, il y a encore un stomp. Il va venir sur ma B2. Elle est où ta B2 là-haut? Je crois que les stands ils laissent pas tranquille les B2. Dis-moi s'il y va, je dirige direct vers le truc. Mais le truc c'est qu'on a une entrée qui est pas protégée du tout. Il retourne sur ma B2. Et là par contre je peux à mon avis. Il retourne sur la B2. Hein. Ok, j'y vais, mais faut que tu défendes en haut, mec. Parce que en haut, ils vont rentrer facile, y'a rien du tout. C'est bon, ça tient là. Ah oui, c'est... Oui, en effet, ça a tenu. Il y a une masse qui arrive vers le haut, putain, ils sont en train d'entrer chez nous. Ouais. Ils vont tous les péter. Des tanks, mais... J'entends un crabomber pas loin. Oh là là. Encore un stank. Ah là il va essayer de détruire ma B2. Il retourne sur ta B2 encore. Oh il est là, non il est là. Oh là il fait tellement de dégâts. Oh il éclate ma bioball quoi. Ah c'est bon je l'ai défoncé. On va peut-être dû se mettre en moins dur non? Non, pourquoi? T'aimes pas le challenge? Ils arrivent par où là? C'est bon, t'as B2 à la tenue, mec, t'as des ressources là. Il y a un trou énorme en bas, mec. Mais non, un trou énorme en haut aussi, là. On s'est fait trouer, je crois. De prendre une revanche. Allons casser du monde. Vas-y, prends des ressources et file-moi des ressources, mec. Moi, je pense qu'on a quand même réussi à survivre bien longtemps. Et c'est comme vrai. La vidéo commence à être assez longue, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Sinon, on essaye de finir. On coupe là et on essaye de finir. Voir jusqu'où on va, ok? Tu
Tu veux dire faire la vidéo en deux parties? Si jamais, ouais, si jamais on voit qu'on arrive loin, ça vaudra le coup de la publier. Bon, après, si on n'y arrive pas. Allez. On peut s'arrêter là pour celle-là, puisque de toute façon, là. Je pense qu'on a bien compris le but du jeu. Ouais, voilà, je pense qu'on a montré quand même de bonnes choses. Donc on arrête ici et la prochaine fois, on fait en Night to Die. Et on vous montre qu'on a des balls. On a car... Ils le savent qu'on a des balls, là, ils ont vu, hein, t'inquiète. Au boulot, les gars, cette zone est sécurisée. Surtout moi, parce que tu vois, encore toi, t'es resté. Mais un toi, peu le choix de la bioball était pas mal, alors que moi, je suis resté vraiment dans le choix très défensif en fait. Et je suis pas certain que c'était le meilleur. Ouais, j'avoue. Je pense que vaut mieux attaquer. En fait, vraiment un truc mobile, comme ça tu défends et à la fois tu attaques. On essaiera au pire d'en faire un. Moi, j'aime bien, franchement, j'ai vraiment kiffé ce mode de jeu, quoi. Je suis motivé pour y rejouer. T'as du gaz ou pas? Ouais, j'ai 1700 de gaz. Enfin, on va en donner un peu. Ok, on arrête là, mec? On fait encore une nuit. Ok. Une nuit. Si j'ai le temps de finir. Non, j'aurai pas le temps de finir. Non, bah on va arrêter là. Ok. Et merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, bah, vous voyez, on s'est quand même plutôt pas mal débrouillé. La prochaine fois, vous allez vous marrer parce que ça va être le Night to Die. Et à mon avis... La vidéo risque de durer 4 minutes, voire moins. À mon avis, on va se faire défoncer comme il faut. Et en tout cas, merci de nous suivre donc sur Lost in LoL, sur Lost in HOTS, sur toutes nos vidéos, puis sur Eurogaming, les articles, les émissions. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci à tous et passez une bien bonne fin de journée, début de journée, fin de journée, mi-journée, comme vous voulez. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Ciao! A plus tout le monde! Crépuscule.